Salut, je te montre comment on fait la tarte bourdaloue ou amandine poire. Chez moi, on appelle ça amandine poire, mais c'est la même chose. Dites-moi chez vous comment on l'appelle. Alors, je commence avec la pâte, c'est très rapide. Un beurre bien mou, bien presque fondu. Et je blanchis avec du sucre. Je vous mets les ingrédients et tout ce qu'il faut dans le détail de la vidéo. Je mets ma farine, je sable. Donc je mélange jusqu'à ce que ça fasse un sable et après j'ajoute mon œuf. Je finis de mélanger à la main et c'est prêt. J'égoutte une boîte de poire au sirop. Je fais encore un beurre bien fondu. J'ajoute mon sucre. Pareil, je blanchis à la cuillère en bois. J'ajoute ma poudre d'amande. Je mélange bien. J'ajoute 3 œufs. Je mélange bien. Et un bouchon de rhum, une poignée de farine pour épaissir un peu. Je mets au réfrigérateur. Je fonce ma pâte sablée. Vous pouvez prendre une pâte sablée toute préfaite, hein, ça fonctionne très bien. J'étale ma crème. Alors je coupe des petites lamelles de poire, mais en la laissant bien comme il faut, je les couche. Je prends avec mon couteau et je le dépose sur la crème sans appuyer. Je mets quelques amandes effilées sur la crème qui est apparente. Je cuis et après je badigeonne d'un petit nappage ou alors une confiture d'abricot chauffée. Salut!